감사합니다. Merci. 우리 장로님 말씀대로 세계적인 찬양이 맞습니다. Comme l'ancien a dit, c'est bien la louange mondiale. 왜 그러면 지금 전 세계 나가고 있어요. Parce que c'est en train de diffuser, d'être diffusé dans le monde entier. 전 세계 지금 백몇 군데서 봅니다. 그래서 세수도 잘 하시고 그렇게 됩니다. Dans le monde entier, dans une centaine d'endroits, ils sont en train de regarder en direct. Donc il faut bien se laver. 이 전북 지역에서 세계 복음화가 가능한가? Est-ce que l'évangélisation mondiale est possible dans cette région? 이번 그 중직자 세계 대회가 있죠. Nous allons avoir bientôt la conférence mondiale des responsables d'église. 조금 자세한 얘기를 하려고 합니다. Et je vais détailler à ce moment-là un peu plus. 하나님이 너무 중요하게 보는 몇 가지를 우리가 지금 놓치고 있습니다. Il y a quelques éléments qui sont très importants aux yeux de Dieu et que nous sommes en train de perdre. 목회자 또 사모 우리 모였을 때 좀 말씀드렸습니다. Et je n'ai parlé également lorsqu'il y a les pasteurs, les femmes de pasteurs étaient réunies. 교회에서는 전혀 치유를 못 하고 있는 상황입니다. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais l'Église n'est pas en mesure d'apporter la guérison. 의사인데 가면 되지. 의사는 눈에 드러난 부분을 고쳐주는 겁니다. Alors les gens disent qu'il suffit d'aller aussi le médecin, mais en fait le médecin guérit ne guérit que ce qui est apparent. Mais il peut pas faire ce qui est avant et après. 이걸 알고 3단체에서는 아주 전문성 있게 하고 있습니다. Et en connaissant cela, les trois organisations sont en train d'acquérir une certaine compétence là-dessus et beaucoup de religions sont en train d'entrer dedans. 문제는, 복음의 반대거니까 문제가 되는 겁니다. Si ce sont des vérités, on peut les aider, mais le problème, c'est qu'ils sont contraires à la vérité. 신천지, 영생교 이런 이상한 단체들 욕하는 사람들이 많은데요. 안 뺏겨야 돼요. 거리로 가요. Il y a beaucoup de gens qui critiquent des religions, différentes religions, mais il ne faut pas les perdre les fidèles parce que beaucoup de gens vont là-bas. Moi, j'ai parfois pitié des journalistes parce que quand les journalistes attaquent ces religions, les gens vont aller encore plus. Les gens vont aller encore plus dans cette religion Shinchenji. Alors pourquoi? Parce que les gens qui sont malades, ils ne peuvent pas être aidés à l'église. Et donc il y a 9 endroits où les terrains sont vides, et ça on verra pendant la conférence mondiale des responsables d'église. Mais maintenant, les responsables d'église, vous devez faire la maison de guérison. Même si vous ne voulez pas évangéliser, ça va marcher. Surtout dans ce genre de région, il faut faire ça. Et puis même Jésus a commencé par ça. Le ministère de Paul était ça. Et donc il suffit de les aider sur 5 points et la guérison peut avoir lieu. 보고 보니까 부산에서 우리 암 환자가 계속 기도하고 말씀 음식 뭐 이렇게 했는데 병원에 가서 수치 나왔어요 정상이라고. Et donc même la semaine dernière j'ai eu un rapport il y a à Busan dans notre centre de guérison et on a fait la guérison a été apportée parce que la prière, la nourriture, l'exercice a été fait. Dans l'église primitive c'était toujours dans la maison des responsables d'église que ça s'est passé. 대표적인 예로요. L'exemple, ce serait 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. C'est Priscille et la maison de Priscille. Encore un autre exemple. Acte 16, verset 15, la maison de Lydie. Et après cela, ils ont même guéri cette personne possédée par le démon. Quand on vient à l'église, c'est impossible de se nourrir, de dormir. Au contraire, à la maison est mieux. 중직자분들 보시고요. 지금 전국에 전원주택이 다 비고 있습니다. Les responsables d'église doivent regarder que les maisons individuelles sont en train de se vider partout dans le pays.
a pas besoin de les acheter, il faut les louer. Il y a plus de la moitié des maisons individuelles qui sont vides. Moi, je pense que c'est très bien pour les maisons de guérison. Les gens qui sont malades ne peuvent pas être guéris à l'église. Les gens qui ont des problèmes spirituels ont du mal à être aidés à l'église. Donc, il faut regarder. Regardez maintenant le deuxième élément pour les responsables d'église. C'est la maison des enfants de la troisième culture. Et c'est même ça, c'est possible à la maison. Donc les enfants de la troisième culture, ce sont des gens qui étaient dans une situation très médiocre et qui sont venus en Corée. Alors si c'est un Américain qui est venu juste quelque temps en Corée, on ne l'appelle pas enfant de la troisième culture. Donc ce sont des gens qui ne sont pas coréens mais qui vivent en Corée. Mais les enfants de cette famille, ils sont dans des situations difficiles, et c'est ce qu'on appelle les enfants de la troisième culture. Et donc il faut être en mesure d'élever ce genre de disciples pour recevoir beaucoup de réponses. Et prier là-dessus également. Ce sont les termes que les personnes industrielles doivent saisir. Et ces gens-là, ils ont finalement bâti des temples mondiaux. Donc ce sont des bâtisseurs. Et pourquoi on a mis le terme saint? Parce qu'il y a le terme à l'inverse. Il y a les francs-maçons qui essayent de détruire les églises. C'est l'inverse de cela. Et donc, si vous priez, puisque ce sont les projets de Dieu, ces réponses-là vont venir. Donc, il faut que ce soit le début de sauver la région de Jeonbuk. En quelque sorte, pour faire ça, c'est mieux qu'à Séoul, en fait. Parce que quand on forme les enfants d'une culture à Séoul, puisque c'est tellement pratique, en fait, quand ils vont retourner dans leur pays, c'est difficile. Et donc, il faut même aller encore plus en campagne que dans leur pays. Donc, les responsables des guides doivent avoir les bons sujets de prière pour pouvoir recevoir les réponses, sinon les gens sont en train de perdre. Et donc, il y a 9 éléments qui sont perdus, et parmi ça, il y a les responsables d'église que vous devez saisir, c'est ça. Et vous pouvez faire même chez vous, en étant bien sûr permis et aidé par l'église. Mais moi, si j'aurais été responsable d'église, j'aurais préparé une grande maison un peu en périphérie et je ferais ça. Et ça peut se faire même en centre de ville, mais même si on n'avait pas beaucoup d'argent, ça peut très bien se faire. Pourquoi on fait tout ça? Donc ce sont les responsables d'église, les personnes industrielles qui ont vu l'avenir. Quel avenir ils ont vu? Il y a ce qui est caché pendant des siècles, des siècles qui est manifesté maintenant, c'est ça, c'est la vraie réponse. Ça a été manifesté quelque chose qui va exister pour l'éternité. Donc celui qui a vu l'avenir peut guérir le passé. Celui qui a vu l'avenir, il peut avoir le correct processus. Celui qui a vu l'avenir peut sauver les prochaines générations.
전북뿐 아니고 전 세계에 있는 산업인 중직자들이 하나님이 가장 원하시는 게 뭐냐? 그걸 붙잡아야 돼요. Et donc non seulement pour Chonbuk mais pour tous les responsables d'église et personnes industrielles, vous devez saisir ce qui est le plus voulu par Dieu. 어떤 면에서는요, 하나님이 가장 원하시는 걸 우리는 제일 안 하고 있거든요. En quelque sorte, nous sommes en train de faire le moins, quelque chose qui est le plus voulu par Dieu. Il a demandé d'aller à toutes les nations. Il a demandé d'aller à tous les peuples, aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quelque chose qui est déjà venu. Les enfants de la troisième culture sont déjà là. En quelque sorte, s'il y a des enfants de la troisième culture qui sont là, dans la région de Jeolla, c'est un miracle. Mais si on voulait nous-mêmes établir les disciples et les envoyer après, c'est absolument impossible. Donc ne perdez pas ce genre d'opportunité. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'enfants de troisième culture dans la région. Donc c'est une grande opportunité. Et si eux, ils arrivent à la solution du Christ, c'est complètement le projet de Dieu. Et donc Jésus a dit ceci, allez à tous les peuples, en mon nom vous allez chasser les démons. Vous imposerez vos mains sur les malades et ils seront guéris. C'est le Christ qui nous a dit ça. En réalité, Paul a fait ce ministère-là de guérison. C'est ce que j'ai dit au pasteur, mais il faut que le mouvement d'évangélisation, le mouvement de prière commence à nouveau dans cette région de Jeolla. 어떤 분이 돌아가시면서 자기는 설교를 못했는데 내가 이게 작은 재산이지만은 선교비를 써달라. Il y a une personne en décédant, il a dit, moi je ne peux plus faire la mission, mais je veux que ma richesse reste soit utilisée pour la mission. Et l'assemblée de l'église a fait la réunion. Donc en prenant son nom, on va faire une maison des troisième culture. Des enfants de la troisième culture. Et ce n'est pas pour laisser son nom, ce n'est pas pour honorer quelqu'un, mais c'est pour laisser le point historique dans des pays développés. On prend les noms des gens pour faire des rues. En quelque sorte, on va laisser vos empreintes de la foi pour que beaucoup de personnes qui viennent après puissent recevoir la grâce. Alors comment on peut guérir le passé ? Il faut d'abord saisir l'alliance précise. Et l'alliance des alliances précises, c'est l'évangile. Et donc, si nous connaissons bien l'évangile, notre passé commence à être guéri. Mais si nous ne connaissons pas l'évangile précisément, tout sera confus. Et ce qui m'a choqué, c'est que il y a quelqu'un qui vient du Pérou très loin, qui est venu en Corée pour gagner de l'argent, et il a reçu l'évangile, puis il est retourné au Pérou. Et il donne des branchés partout. Et encore plus étonnant, ce sont des gens de la Corée du Nord qui viennent en Corée du Sud. Et donc ce sont des gens qui sont réfugiés en fait. Et ces gens-là ont reçu les branchés. Et souvent les gens qui sont réchappés et de la Corée du Nord, ils ne veulent pas y aller encore une fois. Mais cette personne se dit, ce n'est pas le moment de sortir de la Corée du Nord, mais il faut donner l'évangile là-bas. C'est étonnant. Et donc, si ce n'est pas cet évangile-là, on ne peut pas guérir notre passé. Et si nous comprenons cela, qu'est-ce que nous voyons ? Nous voyons les désastres partout.
Et comprendre cela, c'est ce qu'on appelle la vision. Et ce n'est pas la vision que les gens sont en train de parler, mais c'est notre vision, n'est pas ça. C'est le monde entier qui est en train de périr en ce moment, il faut donner l'évangile là-bas. Il faut être capable de voir les désastres. Ne voyez-vous pas les États-Unis où les malades mentaux sont en train d'augmenter de manière exponentielle? Avant, les psychiatres n'avaient rien à faire, mais maintenant, ils sont le plus occupés. Il y a des choses incroyables et terribles qui sont en train de se passer. Avant, quelquefois, quand j'allais aux États-Unis, je voyais des mendiants qui étaient là-bas, mais maintenant, c'était même des foules de mendiants qui sont là et qui sont en train de faire de la drogue et qui demandent de l'argent partout. Maintenant, c'est inconditionnel. Maintenant, ce sont des gens qui sont complètement bien habillés en costume et qui sont à l'extérieur couchés. Et saisir correctement ce qu'on va faire 24 heures sur 24, c'est le rêve. Alors, ce que disent les gens non-croyants, c'est que le rêve n'est pas encore accompli. Mais nous avons saisi l'alliance sur laquelle nous sommes 24 heures sur 24, c'est le rêve. C'est comme ça que le passé sera guéri. Il faut que ça soit vraiment l'alliance de 24 heures, c'est comme ça que c'est le rêve. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés à son image. Et c'est ça qui a restauré. Et en anglais, c'est marqué image. Et ici, avec l'image de Dieu, on est guéri. C'est le 25 heures. 이렇다 보면 여러분의 산업은 복음 때문에 쓰임을 받게 되는 거죠. Alors si c'est le cas, votre industrie sera utilisée pour l'évangile. C'est ce qu'on appelle la pratique. 이걸 보고 영원이라고 하는 겁니다. Et c'est également l'éternité. C'est la guérison du passé. 다른 걸로는 과거 치유가 안 돼요. Avec autre chose, ce ne sera pas possible de guérir le passé. Moi, je m'inquiète tout le temps. 좀뭐 제일 강의 인기 있는 거 책이 뭐냐? Ce qui m'inquiète, c'est qu'en ce moment, les leçons ou les livres qui sont les plus connus, c'est les leçons de consolation. Les grands orateurs qui sont en ce moment et qui ont des réputations en ce moment, c'est les gens qui consolent. Que ce soit en Corée ou dans le monde, les orateurs qui sont réputés, ce sont des gens qui consolent. Mais je vous le dis certainement, c'est que ça ne résout pas les problèmes spirituels. Ça va aggraver encore plus. Si je continue de chercher la consolation de l'homme, ça va s'aggraver encore plus. Ça, c'est les efforts de ceux qui ne connaissent pas l'évangile, et c'est leur maximum, mais vous devez être guéri par l'évangile, vous devez être guéri par Dieu. Et regardez le processus de bloquer les désastres. C'est dans Exode chapitre 2, verset 1 à 10, à chaque fois que c'était important, des calendriers importants dans la Bible. Et c'est à ce moment-là qu'on a utilisé et Dieu a donné une pensée à Jochebed à ce moment-là. Et quelque chose que personne n'avait imaginé. Et donc cet enfant, je vais l'envoyer dans le palais royal. N'est-ce pas extraordinaire? C'est ce qui s'est passé avec cette pensée-là. Et donc, pendant cette période, il a transmis toute l'alliance. Donc, regardez, la prière d'une personne comme vous va produire. Avant, on priait pour avoir des enfants. Mais elle a compris.
Elle a compris que c'était une mauvaise내 prière.욕심을 채워달라고 계속 기도했는 Elle a continué de prier pour remplir son propre세상 désir.사람들 하는 기도를 계속한 겁니다. Elle a continué de faire la prière que어느 les날 gens du깨닫습니다. monde faisaient. Un jour, elle나 comprend.신인을 주 없었습니다. Un jour, elle comprend que elle dit,이게 donne-moi un시대를 Nazirite.바꾸게 됩니다. Et c'est ça qui change le monde.믿으셔야 됩니다. 여러분의 정확하게 잠 언약 기도가 시대를 바꾼 거예요. Et donc, il faut croire au fait que si vous avez dit c'est aujourd'hui l'alliance,이건 la prière한나의 능력이 précisément,아니라니까요. ça change le monde. Et ce n'est어떤 면에 pas la사무엘의 capacité능력도 d'Anne,아니요. ce n'est pas la capacité non plus de Samuel. 여러분이 오늘 정확한 언약 구장대 하나님의 능력으로 시대를 살렸어요. Mais si aujourd'hui vous avez dit c'est l'alliance correcte, par la puissance de Dieu, ils ont언약 sauvé le siècle.정확하게 잡으셔야 Et됩니다. donc, il faut bien saisir l'alliance de제가 Dieu. 부산에서 시작했을 때 그랬습니다. Quand nous avons내 commencé à Busan, c'est ce능력으로는 que j'avais dit.부산 복음화를 못해. Par ma capacité, c'était아니, impossible영도 d'évangéliser복음화도 Busan.못해. Même l'évangélisation교회당도 없어. Yondo, c'était impossible.집도 Même없어요. pas de temple,아무것도 pas de없는데. maison, il n'y avait rien이du tout. 복음을 전해야 될거 아닙니까? Il faut donner l'évangile.근데 그때 내가 딱 결단 내린 겁니다. Mais à ce moment-là, j'ai pris une résolution.나는 다른 거 하지 않다. 오직 복음. Moi, je ne vais pas faire autre오직 전도. chose, mais seulement l'évangile, seulement성경이 있는 l'évangélisation.대로 오직 기도. Et puis, comme ce qui est mis dans la그 Bible,시작인 seulement겁니다. prière. C'est comme ça qu'on a commencé.제 능력하고 상관없이 하나님의 능력으로 많은 나라들까지 Et indépendamment de mes capacités,일어나시잖아요. par la난 puissance de깜짝 Dieu,놀랄 même때가 beaucoup de너무 많아요. pays qui sont en train de se lever, je suis parfois très choqué.어떻게 저 사람들이 저 복음이 들어갔을까? Je me dis, comment ces gens-là ont saisi l'évangile un아니, jour? 다른 나라에서 왔는데 이 청년이요. 한국말 너무 잘하는 Il y a un jeune homme qui est venu d'un autre pays et qui parle거예요. très bien한국말 어떻게 le잘해요? coréen. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu parles드라마 봤다. aussi bien le coréen? Et il한국 m'a dit,드라마. il a regardé그때 des한국이 séries어떻게 왔냐? coréennes. 한국이 너무 좋아서 왔다는 거야. Et je suis venu parce que j'ai trop aimé la그때 Corée.어떻게 우리 교회 왔냐? Et comment tu as pu venir dans cette자기들만 église?그리스도가 너무 좋다는 거야. Parce qu'il disait, j'aime bien le Christ.나할 말이 없어. Et je n'avais pas de choses à수십 dire.년 교회 다니는 사람들이 이말안 하는데. En fait, les gens qui viennent à l'église pendant des dizaines d'années, ils disent pas ce신기해. genre de choses. Donc, c'est une chose de그리스도가 그렇게 miracle.좋다는 거야. Donc, ils disent qu'ils adorent le그게 Christ.하나님이 준비한 사람이에요. Quelqu'un qui est préparé par믿습니다. Dieu. Il y en a beaucoup.걱정하지 마시고 확실한 언약 붙잡고 기도하시라. Donc, ne soyez pas inquiets, mais그때 c'est과거가 l'alliance de치유되고 Dieu그게 중요한 과정이 되는 겁니다. et c'est à ce moment-là que le passé sera guéri et ça deviendra un bon지금 여러분이 당하는 processus.어려움은 과정입니다. La difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est un processus. 사무엘상 16장 1절에 13절을 보세요. Regardez dans 1 Samuel chapitre이 16,바다에 versets 1 à 이스라엘이 13.살아납니다. 그래서 이 enfant 이스라엘 est 얼마나 큰 sauvé. 요 언약 하나에 이스라엘이 살아난단 말이야. Grâce à cette alliance saisie à ce moment-là, Israël a나중에 été sauvé. 다윗이 자라서 1,000 망대를 세웁니다. Et plus tard, David sera grandi그리고 et il va여러분 établir아시다시피 les 1000 투기. 대성전을 지키셔야 Et comme vous le savez, il va commencer à construire정확한 un grand언약을 temple.잡으셔야 됩니다. Et donc, il faut saisir l'alliance걱정하지 précise.마시고 하나님의 능력 믿으시고 살리네. Donc, ne soyez pas inquiets, mais il faut croire à la puissance de자, 이 Dieu et사람 한 sauver.사람 보세요. Et regardez ce qui s'est passé encore.이런 오바다 같은 중직자 한 명이 나온 거예요. Dans 1 chapitre 18, verset 1 à 15, 여기 il y a eu중요한 거는 뭡니까? ce responsable d'église quand même언약을 tierce.제대로 잡은 중직자가 나왔어요. C'est quelqu'un qui a saisi correctement l'alliance de Dieu.그 위험한 시기에 선지자를 도운 겁니다. À ce moment qui선지자 c'était도움 dangereux de중요한데 le그 faire, mais시간표를 보세요. il a pu aider 100 prophètes. Mais그 regardez quel était le시간표에 calendrier.선지자를 도우면 죽습니다. À ce moment-là, s'il aide des prophètes, il pouvait그런데 être tué.그 시간표에 선지자를 도와야 돼요. Mais c'est pile à ce moment-là qu'il fallait aider les이걸 선택한 prophètes.겁니다. Et il a donc fait ce choix. 여러분이 언제든지 교회 위기가 왔다, 그걸 선택하세요. Donc, à chaque fois, quand il y a l'église qui fait face à une많은 crise,분들이 choisissez위기를 피하려고 celui-là.합니다. 그 속에 다 있습니다. Beaucoup de gens veulent éviter les crises, mais c'est là qu'il y a les réponses. 산업인 한 명이 응답받으면 교회 살아납니다. Si un responsable d'église peut recevoir la réponse, l'église sera산업인 sauvée.한 명이 응답받으면 현장도 살아납니다. Si un responsable d'église reçoit la réponse, les terrains seront절대 sauvés. 속지 마시고 언약 딱 잡으세요. Donc ne soyez pas trompés, mais앞으로 saisissez l'alliance산업이 de해야 Dieu.될세 가지. À l'avenir, ce sont les trois choses que les responsables d'église doivent맞습니다. faire. Faites-le. 그래서 하나님이 가장 원하시는 걸 붙잡으면 방향이 맞아지게 됩니다. Et donc, si vous saisissez cette chose qui est le plus voulu par Dieu, vous allez être dans la내가 bonne direction.전도자 살리게 하옵소서. Que je살려야 sauve됩니다. les évangélistes. 내가
que je sauve les remnants, les prochaines générations. Il suffit de saisir cette alliance. Puis la dernière alliance donnée dans la montagne des Oliviers, ils ont expliqué pendant 40 jours les choses qui concernent le royaume de Dieu et c'est fini. Et c'est ce qui a changé le monde. Et saisissez véritablement l'alliance de Dieu, il faut prier. À quel point il faut prier? Vous priez comme ça et vous allez le faire. C'est le non-croyant, le roi Pharaon, qui disait « Je n'ai point vu quelqu'un aussi inspiré par l'Esprit d'Éternel. » À l'avenir, ce sont les non-croyants qui doivent dire en regardant les remnants que Dieu est vivant et que la puissance de Dieu est avec toi. Et c'est ça la réponse, il suffit de commencer l'évangélisation à ce moment-là. Ce n'est pas difficile. C'est pour ça que Pierre disait « Je te donne ce que j'ai. » Je ne peux pas te donner ce que j'ai pas, mais je te donne ce que j'ai. Et donc, c'est ce qu'il a dit aux non-croyants. Ce sont les non-croyants qui ont dit ça. Et donc, regardez encore les prochaines générations, c'était le temps pour Dieu. Ne soyez jamais découragés, puisque l'alliance que vous saisissez aujourd'hui apparaîtra absolument au calendrier de Dieu. Moïse va faire le sacrifice de sang. Et tu vas en parler à Pharaon. Et puis tu vas en parler au peuple. Je serai avec toi. Et surtout par ma puissante main. C'est le sacrifice de sang. Personne n'était intéressé par ça. Mais les gens ne savent pas. Les gens ne sont pas du tout intéressés par le sacrifice de sang. Pour ceux qui vont périr, la prédication de la croix est une folie. Et donc, c'est quelque chose que Moïse a écouté de sa mère il y a 80 ans. Et donc, cette alliance que vous saisissez correctement va absolument apparaître dans vos enfants. Et donc, ne dites pas que vous avez échoué ou votre enfant a échoué. Est-ce que Moïse, quand il a été chassé dans Médian, il avait échoué? Est-ce que Joseph, quand il a été vendu comme esclave, est-ce qu'il a échoué? Non, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, c'est comme ça que les choses avancent. Donc, quelle œuvre ça peut porter l'alliance que vous saisissez aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est dit cette alliance? C'est Samuel et Jessé qui ont saisi cette alliance. C'est dans 1 Samuel chapitre 16 et c'est ce qui est transmis à David. Et après ce jour, il a été fortement inspiré par l'Esprit d'Éternel. Donc, si on ne peut pas, si ce n'est pas cette alliance, on ne peut pas faire la réconciliation mondiale. Et pourquoi il a expliqué pendant 40 jours le royaume de Dieu? Parce que si ce n'est pas par cette puissance, on ne peut pas faire la réconciliation mondiale. Donc il faut bien regarder. Isaïe a fait cette prophétie que Israël serait esclave. Donc les gens qui ne connaissaient pas l'alliance, ils étaient mécontents. Mais Daniel a saisi cette alliance. Il a saisi cette alliance. Alors qu'il a été esclave, il a fixé ses vœux. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il va même faire agir le roi Nebuchadnezzar. Il va changer Belsassar, il va changer Dario, il va même changer le roi Corée. Et donc c'est la réponse de Dieu. Et si les remnants reçoivent les réponses, le monde sera sauvé. Saisissez absolument cette alliance. Si parmi vos enfants, vous pensez que c'est un peu, il va dans le mauvais chemin, attendez, vous ne savez pas ce qui se passe. Ce sont les gens qui connaissent mal l'alliance, qui parlent trop facilement.
어떤 면에서 여러분 기도에 응답되는 것처럼 보이지만 하나님의 시간표에. Et c'est dans le calendrier de Dieu que ça va se faire. 후대에게 나옵니다, 보세요. Donc ce genre de réponse apparaît pour nos enfants. 그래서 바울이 사도행전 10장 1절에 뭘 설명했습니까? C'est pour ça que dans Actes chapitre 17 verset 1, qu'est-ce qu'il a expliqué Paul? Pourquoi est-ce que les désastres viennent? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement d'évangélisation à l'église, parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Pourquoi est-ce que dans le monde entier, les pays puissants continuent de faire des guerres et ils meurent parce qu'ils ne connaissent pas le Christ? Pourquoi dans le monde entier il y a des désastres? Parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. C'est pour ça que les choses arrivent. C'est ce qu'il faut voir. Et que dans ce monde, il n'y a pas de Christ. C'est ce qu'il faut voir. Et c'est ça qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le sabbat qui est important, mais il a enseigné qu'est-ce que le culte, qu'est-ce que la prière. Et puis, il a enseigné qu'est-ce que la vraie réponse. Dans Actes chapitre 19. Dans, il a été 그렇습니다. Là pour convaincre, pour expliquer le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus a expliqué pendant 40 jours. Et c'est ça la réponse. C'est ce qu'il faut enseigner aux prochaines générations. Et finalement, comme dans les versets que nous avons lus, ce qui avait été caché pendant des siècles vous sera donné. Donc commencez à nouveau. Il faut être capable de voir ce qui est lointain. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle la vision. Et puis ce qui est loin doit être proche de nous. C'est ce qu'on appelle la prière. Et cette chose qui est loin doit être ma chose. Autrement dit, ça m'a été, cela m'a été accordé, c'est pour ça que nous prions. Et finalement, aujourd'hui sera notre avenir. Et donc, si les choses lointaines commencent à nous approcher, alors nous voyons aujourd'hui comme l'avenir fait ça. La vie chrétienne, ce qui était loin, commence à être proche de moi. Et c'est comme ça qu'il faut prier les rêves. Donc il faut saisir l'alliance que Dieu nous a donnée et ça commence à s'approcher de nous. Les Coréens sont le plus doués dans les tirs à l'arc. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait ce tir à l'arc. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu es aussi bon dans ce domaine? Donc, il m'a parlé de plusieurs choses, l'attitude, la respiration, l'exercice. Et il y a une chose qui m'a touché parmi ce qu'il a dit. En fait, quand on regarde et en se concentrant sur la cible, si on se concentre vraiment sur la cible, alors la cible s'approche de nous. Bien sûr, ça peut être une confusion, mais je pense que je me dis que c'est vrai. Et donc, si nous prions concentrés, alors les choses qui sont loin nous approchent. Et quel est ce temps de la prière? Il faut absolument se souvenir de ça. C'est le temps du trône des cieux. Si vous dites qu'aujourd'hui les choses sont difficiles, mais ces difficultés ne peuvent pas vous prendre. Même si on est entouré de toutes choses autour de nous, on ne sera pas entouré. Même si on tombe, on ne va pas échouer. Pourquoi? Parce que vous êtes faible, mais en vous, il y a le trésor. Puisque vous avez la vie de Dieu, il faut rapidement sauver la région de Jeonbuk et les multiethniques.
오랜만에 와서 이제 엄청 많이 가버려요. Donc ça fait très longtemps que je suis pas venu et donc j'ai딴데 dépassé가면 beaucoup. 20분밖에 안 해요. Ailleurs, je fais que 20 minutes. 산업인들 새로 시작하게 되기를 예수 그리스도 이름으로 Je vous축복합니다. bénis de commencer à nouveau les responsabilités. Nous기도하겠습니다. allons prier.만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi하나님의 des rois.무한하신 사랑하심, L'amour infini de Dieu notre성령님의 Père.능력의 역사하심, Et l'œuvre puissante du전국과 Saint-Esprit전 세계 산업인들 위해 soit accordée à tous les responsables d'église et les지금부터 personnes industrielles영원까지 du monde entier.항상 Et ce, à함께 partir de계실지어다. maintenant et à jamais.아멘. Amen.